une copine. On va quand même la prévenir qu'on arrive en cuisine avec Sophie. Enfin, j'aimerais bien y aller en cuisine parce que dehors, je vous cache pas qu'il fait très très froid. Voilà. Vous allez voir, on va être bien là. Oh, qu'est-ce qu'on va être bien. On m'a l'air très cosy. Oui, bonjour, la maison de Sophie. C'est la maison Direct 8 à l'appareil. Bonjour, vous allez bien? Sophie est là? Merci beaucoup. On est devant, de toute façon. Alors, voilà, on arrive. On arrive. Sophie Dudomaine vient d'une famille de restaurateurs. Vouée à prendre la suite de ses parents, elle a créé aujourd'hui un véritable empire dans son domaine normand. Comment vous avez fait? Vous étiez là il y a 2 secondes? Ah, vous avez couru. Sophie va bâtir une énorme machine à succès. En 2000, elle sort les cakes de Sophie. Un carton avec 1 500 000 exemplaires écoulés. Bonjour, c'est Nicolas. Il fait froid. Hein. Merci. Comment allez-vous? Comment allez-tu? On va dire tu, non? Oui. Enchantée. Oh, effectivement, il fait très froid. Hein, ça va. Voilà Hélène. Bonjour. Enchantée. Et mon assistante à la maison. D'accord. Voilà, qui teste également aussi toute mes recettes. Pas de chance. Voilà. Je sais. Ça sent. Ça sent? Oui. Là, il faut le sortir. C'est cuit. Allez. Attention à tes mimines, hein, c'est ouais, chaud. Oui, oui, bah. On fait. Ça sent bon, hein. Donc ça, c'est un cake au... Voilà, ça, c'est le cake. Donc, le fameux cake au raclette bacon, un des plus faits en France. D'accord. Raclette bacon. 1, 2... Et 3. Bene. Et ensuite, tu remets la volette par-dessus. Moi, et tu retournes. Je vais le faire. Magnifique. Et voilà. Hey. Alors, ça se fait pas de parler à la bouche pleine. Mais tout a commencé avec ça. Le cake. The cake. Le cake. Le cake. Et pourquoi le cake? Tout a commencé par le marché. Je faisais des dîners à domicile, j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de travailler et je me suis ennuyée. Et alors là, évidemment, rester à la maison pour c'est moi... C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il a fallu que je trouve une solution. Et cette solution, c'était les marchés. Je me dis, les marchés, c'est super. Vendredi, samedi, dimanche, à côté de la maison, il faut que je trouve quelque chose pour vendre sur les marchés. Donc j'ai eu l'idée des tartes. Calculé, hein. Avant les tartes ou des cakes? Non, mais les tartes, c'est vachement important parce que j'en mets 2 dans mon four pendant 45 minutes. Je me suis dit, oh là 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 là, je vais me dire comment je vais faire. Donc, je me suis acheté des moules à cake en hypermarché. Et là, j'en ai mis 10 dans le four. Et là, c'est et j'ai commencé mes premiers marchés. D'accord. Voilà. Ça, et les gens, comme ça, pendant 3 ans, ont acheté toutes les semaines un cake. Et ils achetaient, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée du livre, parce que la maison Minerva m'a appelé un jour sur le marché en me demandant combien j'avais de recettes et si je voulais faire un livre. Et le cake, c'était à l'époque, c'était l'avenir. Le cake, c'était l'avenir. Et mais aujourd'hui, les bouquins, mais... aujourd'hui, le bouquin des cakes est vendu à mais combien c'est à partir... 1 300 000 exemplaires, non? J'en suis à 1 500 000 ouais. Des cakes. Et c'est, bon, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure en c'est tout cas. C'est un conte de fées. Et c'est surtout beaucoup d'amour à partager envers les autres. Alors, il nous reste combien de tranches, là? Eh ben, il nous en... Alors, il m'en reste 4 pour moi. Tiens, il y a ce petit bout pour toi. Ah, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. En même temps, c'est normal que tu goûtes, hein, tu l'as fait. Alors, regarde, Nicolas. Oh, c'est beau. C'est la première chose que tu vois en rentrant, quand t'invites. C'est la table. Ouais, c'est vrai. Non? C'est vrai, ben, celle-là, les gens arrivent... Et qu'est-ce qu'ils tombent sur la table avant même de manger? Non, mais c'est-à-dire que c'est, tu fais, il n'y a pas que la cuisine, c'est-à-dire qu'autour de la cuisine, il y a l'accueil, la convivialité, la déco. Ça a dépassé la cuisine, c'est devenu de l'art de vivre complet. Ouais, puis il y a le côté, moi je voudrais voir le côté un peu businesswoman. On va aller voir le bureau là-bas. Businesswoman. Ouais, businesswoman, parce qu'il y a les livres, bah, il y a sais, le show. Les gens, ils me demandent beaucoup de choses quand même. Il y a le show, Sophie. Il y a le show, il y a le magazine, il y a les bouquins, il y a les coffrets de cuisine. Produits dérivés, les coffrets, les pyjamas, la lingerie, les bottes en cuir. Donc ici, donc, là, on est dans ton bureau, c'est d'ici que tout part. Ouais. Là, c'est le business. Ouais. Parce qu'autant, il y a la maison d'hôtes, les cours de cuisine, c'est rigolo. Là, on sent le côté femme d'affaires quand même. Hein. Alors, écoute, moi, je suis une femme d'affaires, mais que par plaisir. J'ai mon mari qui, lui, gère. Non, c'est vrai. C'est vrai, ça? Oui. Donc le business, c'est évidemment les livres de cuisine. Là. Les livres, j'en ai 23. Il en sort à peu près 2, maintenant 1 par an. D'accord. Voilà, donc il y a les livres. J'ai tous mes coffrets d'ustensiles aussi. Donc j'essaye justement, parce que je suis une fan d'ustensiles, de créer ces ustensiles qui servent et qui apportent vraiment un gain de temps aux gens. Donc ça, c'est tout le merchandising autour de la cuisine, les voilà. Objets. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent, tout ça?
Écoute, tu peux pas te demander ton chiffre d'affaires, c'est un peu indiscret. Donc tu gagnes beaucoup d'argent. Non, mais ça marche bien. Ça marche bien. Tout est consacré à la maison et aux investissements de la maison. Je pourrais gagner encore plus, mais bon. Tu sais que demain, je peux tout arrêter. Demain, je peux tout arrêter. Rester avec tes animaux et... Ouais, je m'en fiche. Je peux fermer la porte, c'est fini. Bon, tu sais quoi, avant de tout arrêter, moi, je vais aller goûter 2-3 trucs qui restent en cuisine et on va aller déjeuner. Allez, viens. Hein ? Ça serait trop bête. Des petites patates, des petites carottes, des petits navets, une petite poitrine grillée. La recette du succès de Sophie, avoir la main sur tout et surtout avoir beaucoup d'idées pour vendre son image. Sophie, quand tu dis que tu fais des shows autour de la cuisine, ça veut dire quoi ? Écoute, c'est un concept que j'ai créé cette année. Voilà, c'est de réunir plus de 100 personnes dans une salle et faire un grand cours de cuisine en interactivité avec mon public. Donc interactivité veut dire ? Veut dire que le public participe tout le long du menu. Ce n'est pas moi qui ai fait le menu, ce sont les gens qui vont monter sur scène. Moi, je vais descendre dans la salle et là, c'est un énorme partage, une énergie incroyable. Ça fuse de partout. Concrètement, c'est-à-dire que des gens montent sur scène, tu vas dans la salle, ils te donnent des idées de menu. Absolument, je vais discuter avec les gens comme moi je fais ici, en fin de compte. Donc ça danse. Voilà, ça danse et ça chante. Mais ça y est, j'ai compris pourquoi j'avais trouvé ça. Ah, t'as trouvé quoi ? J'ai trouvé ça. Oui. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Écoute, j'ai fait un disque pour m'amuser, parce que j'adore chanter aussi. Et je trouvais que c'est justement, ça a amené un certain dynamisme dans la salle. T'as une version karaoké ou pas ? Je suis très fan de karaoké, moi. Ouais, tu verras, tu veux venir chanter ? Bah vas-y, mais tu vas me montrer. Hein, tu l'as, là, la chanson ? Hein ? Oui, je l'ai, la chanson. Allez. Allez, on y va. J'écoute. Allez. Allez, plateau. Arrête de me tourner. Et toute cette machine est dirigée depuis son domaine normand. Et comme Sophie ne fait pas les choses à moitié, elle est entourée de 150 animaux. J'adore les animaux parce que je viens ici me ressourcer, tu vois. Quand j'ai beaucoup de travail, tous les week-ends, comme ça, écoute Capou, arrête. Je n'ai pas envie de faire l'amour cet après-midi, moi, si ça ne gêne personne. Moi, ça fera un beau mélange, hein. Un deuil, un lama. Non, c'est très beau. Bon, alors, je te disais, les animaux, c'est extraordinaire d'aller voir, c'est paisible. Tu vois, tu penses à autre chose. Non, mais surtout, c'est que tu voulais être vétérinaire, toi. Oui, je voulais être vétérinaire, mais à chaque fois que je rentrais dans le cabinet vétérinaire, je m'évanouissais. L'odeur, le sang, tout ça, hop, pouf, dans les paumes. Donc, terminé. Donc, ils m'ont dit que c'était pas possible. Oula ! Fichounet ! Fifounet ! Chips ! Chips ! Oula, oula, oula ! Oups, oups, oups. C'est bizarre comme animal. Tu vois ? Bah c'est un gros lapin en fin de compte. Fichounet. Hein. Mais je suis un des vôtres. je suis un ami, je suis un cousin. Bon, là ici, t'es dans ma boutique. Tu vois ? Et c'est là que ma belle-sœur, justement, vend tous les produits, ou sur Internet. Ou ici. Ou ici, quand les gens passent. Et Sophie a trouvé toutes sortes de produits pour nourrir son business. Outre la boutique, Sophie héberge dans sa propriété une maison d'hôtes. Voilà une autre recette de la businesswoman, garder le lien au plus près avec son public. Sophie joue à fond la carte de la proximité pour faire des affaires. Oui, bonjour, ici la maison de Sophie, que puis-je faire pour vous ? Ne quittez pas, on appelle les urgences. Ne quittez pas, madame. Un gros problème de terrible. Bonjour. Vous pouvez la servir avec un petit confit d'oignon, par exemple ? C'est bon, ça. Hein ? Comme vin. Un petit coteau d'Auxerre. Un petit coteau d'Auxerre rouge. Un petit... Attendez, je vous repasse... Un petit Bourgogne. Je vous repasse Nicolas, inquiétez pas. Oui. Non, je disais un petit Bourgogne, mais c'est comme ça, un petit coteau d'Auxerre. Par contre, les consultations sont facturées, donc ça sera 62€ hors taxe. ça, pour débiter, on va débiter, ouais. Et on a votre numéro de carte, donc... Heureusement qu'ils sont gentils, mes clients, quand même. On recevrait la facture sous 48 heures. On vous embrasse. Bonne fête, bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Allô, oui. Bonjour, madame.
Non, les fraises, vous les mettez avec la barquette. Vraiment, c'est indispensable. C'est ce qui donne le goût. Je vous en prie, Sophie vous embrasse. Allô? Oui, le lièvre. Allô. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui t'attend? C'est pour un lièvre qui rentre pas dans une terrine. Dans une marmite. Dans une terrine ou dans une marmite? Comment? Eh ben vas-y, chopez-le par les oreilles. Par les griffes. Comment on l'attrape, le lièvre? Je vous passe, Sophie, ne quittez pas. Quittez pas, madame, deux secondes. Moi, j'y vais tout de suite. Oui, il faut qu'ils t'attendent, ils sont dans la voiture. C'est ça, je voulais rendre service et ça va jamais. Mais non, mais je sais que ça t'amuse. Eh ben, dis-moi au revoir. Merci, je t'accompagne. Dépêche-toi. Et chacun son boulot. Et vive les cakes. D'accord. Oui, chacun son métier. Parce que moi, ton métier, je peux le faire. Le mien, tu peux pas. Et vive ton cake, hein. Salut, les gars. Ciao. Il fait très froid, là, par contre. Ciao. Salut. Voilà, c'est déjà la fin de Mon Incroyable Histoire. On se retrouve très très vite dès le mois de janvier pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires. J'espère que vous serez au rendez-vous. Entre temps, nous, on va aller se boire un petit vin chaud parce que là, il commence à neiger. Si j'avais su qu'on se rencontrerait, toi et moi, sous la neige aujourd'hui, oui. Si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru. Ben, moi non plus. C'est un truc de fou. Mais je suis un des vôtres.